Les amis, c'est de nouveau détection 57 HRC. Bon, j'ai changé de coin. Là, je me suis un peu rapproché de chez moi. Bon, s'il y a des intéressés qui voudraient venir faire la détection avec moi, je suis preneur parce que seul dans les bois, c'est un peu tristouné, malgré qu'on est seul avec Dame Nature. Bref, venons au sujet. Je suis pas loin d'un blocos, un blocos d'observation. J'ai sur un rayon de 5 mètres, ça fait que de sonner. Donc du coup, je crois que je suis tombé sur une position de mitrailleuse MG42. Parce que regardez, à peine je creuse, je retrouve des douilles. J'en ai déjà fait une trentaine là, une trentaine de douilles. Pour moi, c'est du calibre MG42. Parce que sinon, je ne vois pas. À part le Mauser, mais bon, le Mauser, les douilles de Mauser, je les connais par cœur. Car j'ai un Mauser moi-même à la maison, vu que je suis tireur. Mais là, je fais que ça depuis tout à l'heure, des douilles, des douilles, des douilles. Bon, un peu de merde, mais bon, ça, j'ai pas filmé. Un peu de ferraille, des canettes. Mais merci aux porcs qui jettent leur détritus dans la forêt. Donc, je vais voir ce que je trouve encore. Si je trouve des petits trucs sympatoches, je vous reprends. Allez, salut! C'est de nouveau moi. Bon, je vous montre un peu les lieux, comme ça vous voyez. Le blocos c'est juste derrière moi. Là, il y a une espèce de tranchée juste devant là. C'est ici que j'ai fait, que j'arrête pas de faire des douilles, des douilles de vide, hein, bien sûr tirées. Et là, un petit trou. Je sais pas si vous allez voir. Et qu'est-ce que je trouve? Une balle complète cette fois-ci. Bon, vu la forme, on dirait du Mauser. On dirait du Mauser, je pense. Mauser ou MG. Je ne sais pas, déterminé à la maison. Je vous reprends. Oui, je vous reprends. Petite découverte. Au bord d'un arbre, hein, posé. Je vois pas trop ce que c'est. Je pense peut-être un support de lumière extérieure. Je sais pas trop si ça date de la guerre. Ça m'a pas l'air trop rouillé, donc on dépollue quand même un peu la nature. Voilà, à plus. Bon, je vous fais un peu les lieux, hein, au cas où que ça, ma vidéo vous intéresse. Donc là, on voit bien cette tranchée là, tout le long. Un vieux baraquement, il y en a 2-3 comme ça. Les autres sont en ruine, c'est le seul qui reste à peu près debout. Voilà. Ça, le secteur, ça va encore. Il n'est pas trop pollué. Enfin, un peu quand même, mais on fait avec. Donc, voilà les amis. Moi, je vais me rentrer. Parce que...